Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас в студии выдающийся французский хореограф Пьер Лакот. Он приехал в Москву по очень приятному поводу. В этом году он получает приз Бенуа де ля Данс за служение искусству. И у нас есть шанс поговорить с ним в нашей зеленой гостиной. Пьер, merci d'être venu. Comme ce petit sujet est plutôt dédicacé à votre vie dans l'art, moi j'ai préféré de vous demander à partir du commencement, comment avez-vous senti le vœu de danser? Quand c'était commencé tout ça? J'étais très malade quand j'étais enfant et je devais rester dans la chambre parce que j'avais des bronchopneumonies, les poumons étaient très, très, très mauvais jusqu'à l'âge de 10 ans. Et comme j'étais dans la chambre tout seul, mon frère sortait dans le jardin, moi j'avais pas le droit de sortir, je pouvais pas. Dès que je sortais, j'avais de la fièvre, j'étais pas bien, j'ai eu des traitements. Et à cette époque-là, c'était difficile. Et j'avais envie d'écouter quelque chose, de me distraire. On m'a mis de la musique, un phonographe avec des disques. Et j'ai entendu la musique, et la musique, c'est toute ma vie. J'ai tout d'un coup senti à quel point la musique avait une importance dans la vie et combien ça pouvait vous adoucir les douleurs, combien ça pouvait vous faire espérer, combien ça pouvait vous faire vivre simplement. Et la musique était... Et puis petit à petit, cette musique, j'avais envie de m'exprimer avec. Bon, je chantais bien sûr, mais dès que j'ai pu marcher un petit peu mieux, la seule chose que j'avais envie de faire, c'est d'écouter de la musique et de m'identifier à la musique. Et c'était vraiment des moments de bonheur parce que je sentais que j'existais, que je pouvais traduire quelque chose avec mon corps. C'était instinctif. Alors, évidemment, mes parents me regardaient comme un fou parce qu'il n'était pas question. Donc, mon père était ingénieur et à la direction de chez Peugeot, les voitures. Donc, il n'était pas question du tout qu'enfin un fils de la famille devienne artiste. Mais j'étais malade, on acceptait beaucoup de choses. Et puis, ma mère avait une couturière qui venait à la maison et qui lui faisait des patrons, des nouvelles robes et tout ça. Et un jour, elle est venue et elle apportait des journaux de mode avec des photos et de robes nouvelles, de la mode des grands couturiers. Et moi, je me mettais dans la pièce et souvent, j'étais sous les tissus. Elle cousait dans la machine et j'étais dessous. Et j'ai voulu, un jour, j'ai pris un journal, et j'ai regardé en couleur toutes les photos, et j'ai vu des petits enfants qui sautaient dans tous les sens. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des petits rats à l'opéra. Alors j'ai demandé qu'on m'explique ce que c'était. Ben, ce sont des enfants qui rentrent dans un très beau théâtre, et là, ils apprennent à danser, et ils font leur carrière, l'opéra. Et où c'est l'opéra? Alors on m'a montré, j'habitais à côté de Paris. Alors on m'a montré, c'est loin là-bas. Et c'est resté dans ma tête, ça. Et chaque année, pour mon anniversaire, on me demandait ce que je voulais. Vous avez eu quel âge quand c'est tout ça? J'avais 5, 6 ans, 6 ans. Et on me demandait ce que je voulais. Alors c'était très simple, c'était ou un ballon, ou un jeu de quilles, ou des choses simples. Et j'ai dit non, je ne dirai pas. Ah bon, non, parce qu'on va pas, on va refuser. J'ai dit très bien. Alors mon père a dit, bah, très bien, tu n'auras rien, tant pis. Un petit garçon, ça doit répondre à ses parents et dire les choses comme elles sont. Et un jour, la bonne qui me couche et elle me dit « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Pourquoi vous ne dites pas ?» J'ai dit « Je veux aller à l'opéra, mais ils ne voudront jamais. » « L'opéra, mais c'est un théâtre, c'est loin, c'est à Paris. »« Oui, mais c'est ça que je veux. » Alors on a été dire ça à ma mère qui est arrivée, elle me dit « Mais qui t'a mis ça dans la tête ?» Je dis « Personne, je sais qu'il y a des petits-enfants qui dansent là-bas et c'est ce que je voudrais voir, c'est ça. » Alors, mon père a dit, mais il est complètement fou, à son âge, on dort pendant les spectacles, on n'est pas éveillé dans un théâtre. Bon. Et ma mère a dit, mais quelle importance, puisque on a des amis qui ont une loge à l'opéra, qui sont abonnés, donc on y va nous souvent, il viendra avec nous, et puis s'il est fatigué, il y a un divan dans la petite pièce à côté, il dormira. Bon, très bien. Alors, je savais que j'avais gagné, j'allais aller à l'opéra. Mais où c'était, comment c'était, je demandais des tas de questions et il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Et puis finalement, on m'a fait faire un petit costume noir en velours. Je n'en revenais pas, c'était tellement joli. Avec un gros une chemise blanche et un nœud noir comme ça. Je dis, mais c'est extraordinaire, pourquoi je suis habillé comme ça? Et tout d'un coup, j'ai vu mon père habillé en habit. Et j'ai trouvé ça miracle. Mon père, tout d'un coup, c'était un autre homme différent. Et ma mère en robe du soir longue, je n'avais jamais vu, avec un manteau de fourrure.
J'étais émerveillé des bijoux et tout, je regardais ça. Et on est monté en voiture, on est parti. Alors j'ai découvert Paris la nuit. J'avais jamais été à Paris encore. Alors je vois Paris, parce que j'étais pourtant à côté. Mon frère allait à Paris, moi jamais. Et donc j'ai découvert Paris illuminé la nuit et l'opéra. Quand j'ai vu déjà de dehors ce théâtre magnifique, je suis rentré, tout le monde était en robe longue. J'avais l'impression que c'était un conte de fées, déjà avant d'entrer. L'escalier, tout ça. Et on était dans une première loge de face. Et quand je suis rentré dans la loge, c'était le paradis. Je regardais tout, et je me suis assis, on m'a donné la place devant, là j'étais assis. Et puis j'ai regardé tous les gens rentrer, tout ça, c'était... Et finalement, le rideau s'est levé, c'était Gisèle, avec Liffard et Elisette d'Arsonval. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est tellement ça que j'aime. Ils font la même chose que ce que je fais, mais en racontant une histoire et tout. Et quand il y a eu la scène de la folie de Gisèle, j'ai pleuré. Et maman me dit, ben maintenant viens, on va te montrer les foyers. Je dis, non. Je me dis, ils vont me ramener à la maison. Et moi, je voulais voir la suite du spectacle. Alors j'ai refusé d'aller, j'ai pas voulu sortir de la loge. Et j'ai continué, j'ai vu ça. Et là, quand ça a été terminé, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je serai danseur. Et mon père a dit, tu es idiot, tu mets ça dans la tête, tu viendras voir le spectacle, mais jamais tu seras danseur. Et je suis rentré à la maison, j'ai dormi, pas dormi, je pensais à tout ça. Et le lendemain, dans le jardin, j'essayais d'imiter ce que j'avais vu, avec des fleurs sur la tombe de Gisèle et tout. Et puis, j'ai continué à être malade, et le docteur a dit, mais vous savez, c'est une bonne chose comme exercice physique, s'il veut danser, ça serait possible pour lui de devenir... mieux d'avoir une vie plus agréable parce qu'il va prendre des forces comme il n'a pas j'avais du mal à marcher. Il dit quand un petit enfant comme ça qui est chétif et maigre, c'est très bien de faire d'exercice. Alors on a pensé à ça et on m'a inscrit dans un cours de danse et c'était le professeur des enfants hommes à l'opéra et du corps de ballet aussi hommes, Gustave Ricot. C'était un très très grand professeur et j'ai été chez lui et déjà, on m'a montré les exercices à la barre, les positions des pieds et tout. Et je regardais ça, je m'appliquais, je rentrais à la maison, je ne voulais pas oublier et tout. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui et avec sa femme. Et j'ai rencontré là Babilé, qui était déjà beaucoup plus grand que moi, bien sûr, et tous les enfants de l'école de danse, de l'opéra, qui venaient travailler aussi, après l'opéra, aussi chez lui. Et puis après, on m'a parlé de Lubov et Gorova. Alors, j'avais une petite... Déjà, comme un petit enfant, vous avez entendu Comment? Ce nom? Déjà, quand vous étiez... Ah oui, parce que je voyais des petits-enfants qui travaillaient aussi chez elle, dont une petite fille qui s'appelait Terry Pagava, qui était une Georgienne. Son père avait été ambassadeur de Géorgie à Paris, et j'étais amoureux d'elle, je la trouvais magnifique et tout. Elle venait à la maison, je la coiffais pour faire Gisèle. C'était Gisèle, c'était l'obsession. Et puis, on m'a inscrit à l'opéra pour rentrer à l'école de danse. Et j'étais trop maigre, ils n'ont pas voulu que je rentre. Alors, le professeur était furieux, Gustave Ricot. Et Gorova, quand j'ai vu cette femme, j'ai pensé que ce n'était pas possible qu'un professeur soit si gentil, si à l'écoute d'un enfant. Elle était, mais d'une patience, d'une gentillesse, et belle. Elle avait des bras magnifiques et tout. Je la regardais. Et j'étais très, très séduit et je la considérais comme quelqu'un de la famille. Pour moi, c'était Madame Egorova, elle faisait partie de mon univers. J'avais un cercle de personnes différentes. Et puis, on m'a représenté à l'opéra et là, j'ai été pris. Et Madame Egorova, elle a enseigné où à l'époque? Elle a enseigné à Paris, rue de la Rochefoucauld, au 15 rue de la Rochefoucauld. Elle avait un appartement et un très beau studio. Et c'est un studio qui était dans un hôtel particulier du 18e siècle. Elle avait un studio magnifique avec une très très belle cheminée. Et au-dessus de la cheminée, il y avait un buste et c'était Pavlova dans le cygne. C'était la tête de Pavlova avec deux ailes de cygne. Très beau. Je ne sais pas ce qu'est devenu cette statue. Je ne l'ai vue que là. Tout ça, c'était avant la guerre? C'était avant la guerre, bien sûr. Et la guerre a été déclarée, justement. Et j'ai dû partir de Paris, chez mes grands-parents, en Corrèze. Et là, je continuais à danser. Je faisais les exercices de Rico. J'imitais Madame Egorova. Enfin, je chantais, et mes grands-parents ne comprenaient pas. Ils disaient, mais il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Dès que j'étais seul, je dansais, je courais, je sautais. Et puis, d'être rentré à l'opéra, ça a été quelque chose de fantastique. J'ai commencé à voir des spectacles de ballet souvent.
On était, nous aussi, les enfants de l'école. On était dans les opéras, faisait de la figuration. On dansait dans des ballets. On était des petits pages dans Gisèle, dans les ballets de Liffard. Et c'était que j'avais une grande admiration pour Serge Liffard, qui avait une présence magnifique. Et on a la possibilité à l'opéra d'avoir des parrains. Et on appelle petit père et petite mère. Et si on demande l'autorisation, et la personne se renseigne, savoir si vous travaillez bien, et si on est bien, il accepte. Et là, il s'occupe de nous. Il nous fait des cadeaux pour l'anniversaire, il vient voir les professeurs pour savoir si on travaille bien et tout. Et moi, j'avais choisi Solange Schwartz comme petite mère, qui a été adorable toute sa vie avec moi. Et j'ai demandé à Liffard, et Liffard a dit, mais je ne peux pas, je suis maître de ballet, danseur étoile, je ne peux pas m'occuper d'un enfant, je n'ai pas le temps. Alors j'étais triste, 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 et puis je lui ai donné un livre pour qu'il dédicace, et il a dédicacé. Et quand je suis arrivé dans la rue, j'ai ouvert, et il m'avait marqué à Pierre, son petit père et son maître. Ah, chérie, il a accepté. Alors je suis rentré à la maison, j'ai couru comme un fou, tellement heureux, on a déménagé, on habitait Paris à ce moment-là. Et puis voilà, petit à petit, et un jour, à la Libération, il y a eu le jugement des danseurs qui avaient collaboré. Et Liffard a été jugé très sévèrement, et il a dû partir. Et Solange Schwartz aussi. Alors j'avais plus de petite père et plus de petite mère, et j'étais très triste, je pensais à ces personnes qui avaient rempli mon univers tellement de joie. Et on a fait des pétitions pour que j'ai été engagé dans le corps de ballet. On a fait des pétitions pour que Liffard revienne. Et entre-temps, un jour, on nous a dit, il y a un grand chorégraphe qui va venir travailler pendant un an à l'opéra, Georges Balanchine. Et Balanchine, naturellement, je connaissais le nom. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'étais tellement amoureux de la danse que tout petit, déjà à 12 ans, il y a une bibliothèque à l'opéra et un musée où on peut chercher des documents. Et j'ai été demander à ma mère si je pouvais m'inscrire. Et j'allais directement, avec une surveillante, quand la classe était finie, voir les livres, lire des choses sur la danse. Et là, j'étais passionné par tout ce que je voyais. Et fatalement, Georges Balanchine, je connaissais son nom. Mais ce qui m'intéressait, c'était Taglioni. J'avais une passion pour Marie Taglioni. C'était comme une vierge, comme un personnage légendaire, qui était terpsichore pour la danse, elle avait tout fait, et je rêvais de comment elle pouvait être, comment elle dansait, et je lisais sur elle tout, la sylphide et tout, et je voulais voir la sylphide, ça n'existait pas, c'était plus au répertoire. Et... Vous avez dit que Balanchine est venu déjà. Alors Balanchine est venu, et il est arrivé, et toutes les danseuses ont commencé à nous dire, il a monté d'abord Sérénade, et c'était un ballet que personne connaissait encore en Europe, et... Toutes les danseuses du corps de ballet nous disaient « Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est beau, c'est magnifique, c'est musical, il a des idées et quel personnage extraordinaire. » Alors, moi j'étais curieux et on ne pouvait pas aller à la répétition, c'était dans une rotonde. Alors avec deux autres danseurs de mon âge, on est monté sur les toits de l'opéra, c'était l'hiver, et on a tout doucement approché de la fenêtre pour regarder. Et Balanchine nous a vus, il faisait froid, c'était l'hiver. Vite, vite, il a couru, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais on veut voir votre répétition. Il dit, rentrez tout de suite, mais c'est dangereux, vous êtes sur les toits, si jamais vous tombez, rentrez, asseyez-vous. Alors le régisseur a dit, sortez tout de suite, et Balanchine a dit, non, non, ils veulent voir la répétition, ce sont des jeunes, ils restent. Et on est resté, on a vu, et là, j'ai été complètement subjugué. Je ne savais pas que la chorégraphie, ça pouvait être aussi exceptionnel, dans le sens que on pouvait... illustrer en dansant la musique d'une façon aussi parfaite. Donc j'ai commencé à avoir une admiration énorme pour Balanchine. Et je l'ai vu régler Le baiser de la fée, dans lequel je dansais. J'ai vu Apollon pour la première fois, qu'il a monté à l'opéra. Et il a fait Le palais de cristal. Et ça, c'était extraordinaire. De voir Balanchine en train de monter Le palais de cristal, c'était fantastique. Et un jour, il y a eu une chose extraordinaire. Le pianiste est arrivé en retard. Alors Balanchine regardait sa montre et il a dit « On commence ». Mais tout le monde dit « C'est pas possible, on n'a pas le pianiste. Vous inquiétez pas ». Il est allé au piano, il a fait toute la répétition. Alors il jouait, il se levait, il corrigeait, il regardait, il savait par cœur. Et on était émerveillés. Pour nous, c'était jamais on avait vu un chorégraphe se mettre au piano. Donc ça a été ça. Et puis petit à petit, on a fait des pétitions. Liffard est revenu. Et là, Liffard m'a reconnu. J'étais plus un petit garçon, j'étais devenu un jeune homme. Il m'avait connu à 10 ans, et là, j'avais 16 ans.
Et il a été très très gentil avec moi, il m'a fait beaucoup travailler. Et puis un jour, j'arrive au tableau de service où on avait toutes les notes des heures de répétition, des ballets qui allaient être donnés. Et je vois marqué un ballet nouveau, Septuor, et je vois marqué l'assassin Pierre Lacotte. Je dis, bon, ça doit, c'est comme ça, mais c'est pas un rôle. On ne peut pas, à 16 ans, 17 ans, me donner un premier rôle. Et j'arrive à la répétition d'un autre ballet, et il me dit, alors, vous avez vu? J'ai dit, alors vous n'êtes pas content? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est un premier rôle. Oh. J'ai dit, mais c'est pas vrai, merci, merci, mais je ne croyais pas. 17 ans. Alors, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, vous verrez, vous verrez. Et j'avais pour partenaire Claude Bessy, qui avait le même âge que moi, elle était rentrée. Et voilà, on a fait ça. Et entre-temps, l'IFAR avait fait une académie chorégraphique, c'est-à-dire qu'il faisait beaucoup de discours sur l'histoire de la danse et tout. Il faisait venir des écrivains célèbres, des gens qui pouvaient nous expliquer ce qu'était la danse. Paul Claudel était venu, enfin, on a eu qui nous a lu sur la danse un poème merveilleux sur qu'il avait écrit. Et avait eu des conférences à la Sorbonne, etc., etc. Et là, il nous a donné l'occasion de faire des chorégraphies. Et moi, je rêvais de faire des chorégraphies. Déjà à l'école de danse, pour la fin de l'année, j'avais dit à mes petits camarades, je vais faire un petit ballet pour le professeur. Mais je n'avais pas pris tout le monde. J'avais pris que ceux que je préférais. Et quand les autres ont vu qu'on faisait quelque chose sans leur en parler, ils ont tout cassé, déchiré les costumes. C'était quelque chose. Alors c'était un drame. On a fait le ballet avec des morceaux de costumes qui restaient, le petit ballet pour le professeur. Voilà. Et puis là, l'IFAR m'a donné l'occasion de faire des ballets. Et j'ai fait des petits ballets. J'ai fait un ballet qui s'appelait Exode sur la marche slave de Tchaïkovski. Et ce ballet a eu beaucoup de succès. Et ça m'a donné envie de continuer. Et puis après, l'IFAR a changé d'attitude. Il n'a plus voulu faire l'Académie chorégraphique. Ça avait trop de succès. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis j'ai continué à faire des rôles, des choses comme ça. On passe chaque année un examen pour monter d'une classe. C'était très compliqué. Il y avait 5 classes. Ah, déjà à l'école, il y avait des classes différentes. Mais là, c'était plus compliqué dans le corps de ballet. Et puis, Harald Lander est arrivé. Et j'étais très indiscipliné. J'étais toujours en retard. Je parlais. Oui, si, 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 à l'école. Alors, ça marchait pas bien du tout, du tout. Et les régisseurs avaient beaucoup de mal avec moi. Et j'ai eu des punitions très. Un jour, j'ai même eu une punition que je ne méritais pas. Et tout le corps de ballet a fait une grève pour qu'on enlève cette sanction. Parce que les gens m'aimaient bien, mais moi, j'étais insupportable. C'est vrai. Ça, je reconnais que j'étais insupportable. Un jour, il y a l'examen. Et Lander avait. Nous avions fait une tournée au Danemark. On a fait des tournées magnifiques. On a été aux États-Unis, j'avais 15 ans. On a été en Amérique du Sud, j'avais 15 ans. On a été au Danemark, j'avais 16 ans. Pour nous, c'était fantastique parce que j'ai sauté. Quand je suis arrivé dans le corps de ballet, aux examens, on est plusieurs. On a sauté les classes. On a sauté 2 classes, 3 classes pour arriver directement au sujet. Donc, on est parti en tournée. Mais on était jeunes, insupportables. Pour vous donner un exemple, un jour, on était parti au Canada et aux États-Unis. Et au Canada, on nous dit, écoutez, voilà, vous allez arriver aux États-Unis, il fait chaud, toutes vos affaires d'hiver, vous pouvez les mettre dans une valise et on les envoie à Chicago, vous les retrouverez. Alors j'ai regardé ça, cette veste, c'était après la guerre, on n'avait pas les tissus avec le soleil, c'était une veste bleue, elle était devenue par endroits violette, j'ai dit, allez, je mets dans la valise. Et au milieu de la nuit, tout est parti à Chicago. Je dis, mon passeport était resté dans la veste. Alors comment aller aux États-Unis sans passeport? Alors ça a été toute une histoire et finalement, l'ambassadeur de France a arrangé. Et quand je suis arrivé à Chicago, j'ai couru vite à la valise et le passeport était là. Bon, et alors donc, Lander est arrivé et on a eu l'examen. Et l'examen à l'opéra, c'était obligatoire. Tous les danseurs passaient un par un, deux variations. Devant le jury, la salle était allumée. Et dans le jury, il y avait tous les membres de la direction. Et on montait. Et juste avant d'aller danser, on m'a dit, cette année, les notes de service, c'est-à-dire les sanctions, on met des notes aux danseurs s'il se tient bien dans les répétitions, etc. Et comme je n'avais que des rapports et des amendes, je dis, mais ça y est, je vais être renvoyé. Alors, j'ai été voir mon professeur, j'ai dit, est-ce que je peux faire plus que prévu? Il me dit, mais tu es fou. Je dis, est-ce que c'est possible? J'ai demandé au pianiste, elle a dit oui.
Alors je suis rentré en scène en disant, c'est la dernière fois que je vais danser à l'opéra, je vais être renvoyé. Alors j'ai dansé, j'ai donné le maximum. Et j'ai dansé comme j'ai jamais dansé. Et la salle a applaudi, c'est interdit d'applaudir. Un examen, on n'a pas le droit d'applaudir. Et on m'a laissé continuer. Et alors, à la fin de l'examen, je suis descendu et Lander m'a dit, vous savez, mais c'est fantastique comment vous avez passé l'examen, je vais m'occuper de vous. Et j'ai été convoqué chez le directeur général qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, vous avez les plus mauvaises notes de service, mais vous avez passé le meilleur examen de tous. Alors, je voudrais comprendre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne venez pas prendre les cours à l'opéra, c'est obligatoire? Mais parce que les professeurs ne sont pas si bien que ça. Il me dit, comment ils ne sont pas si bien que ça? Vous n'avez pas le droit de juger les... Mais je lui dis, vous venez de me dire que j'ai passé un bon examen. Je n'ai pas travaillé avec ces professeurs. Alors, il a fait ça, et j'ai vu que les yeux, il riait. Il a trouvé drôle, cette chose. Et il m'a dit, écoutez, voilà, si pendant 6 mois, je n'entends pas parler de vous, si vous n'avez aucun rapport, si vous arrivez à l'heure aux répétitions... J'oublie cet incident, parce que normalement, je devrais vous renvoyer. J'ai dit, je sais. Eh bien, je ne vais pas vous renvoyer, mais si vous travaillez bien, vous montez dans la classe au-dessus, qui était la principale classe. Mmh. Et je suis arrivé tous les jours, je ne parlais jamais plus aux répétitions. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il a, la cote? Il a changé complètement. Et il m'a affiché au tableau de service comme quoi, comme j'avais une bonne tenue, j'avais le droit de monter dans la classe au-dessus. Et à partir de là, Lander s'est occupé de moi et j'ai eu beaucoup de rôles, beaucoup, beaucoup de rôles. J'avais 18 ans et on m'a donné beaucoup de rôles, beaucoup d'études et des rôles dans les ballets de l'IFAR. Et puis il y a eu l'examen et je suis monté premier danseur. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. L'IFAR a été, c'est pas jaloux, mais j'étais quand même... Pas une rivalité, mais je commençais à monter, je faisais des ballets à l'extérieur, etc., etc. Et ça, il n'aimait pas beaucoup ça. Bon. Et Sidney Bechet, le jazzman, avait écrit une musique de ballet, et on m'a demandé de monter ça. J'ai monté, mais je n'avais pas le droit de le faire à Paris. Je l'ai fait à Bruxelles pour la télévision. Et ça a obtenu le prix de la meilleure émission artistique de l'année. Alors le directeur du Théâtre des Champs-Élysées a dit « Je veux monter ce spectacle ». Avec Pierre Lacote au Théâtre des Champs-Élysées. Mais je ne pouvais pas faire sans une autorisation signée. Mmh. Alors, j'ai demandé l'autorisation et on n'a pas accepté cette autorisation. Alors j'ai réfléchi. Avant, déjà, j'avais eu un problème très dur. C'est qu'un des ballets que j'avais fait pour l'IFAR à l'Académie chorégraphique, Exode, on m'a demandé de le faire dans un gala. Et je l'ai fait, ça a très très bien marché. Et après, j'ai demandé l'autorisation de faire une soirée de chorégraphe. De mes chorégraphies à Paris. On m'a dit, c'est interdit, sauf si vous faites ça pour une œuvre, pour des enfants malades. Mmh. Et j'ai fait ça pour une œuvre, j'ai fait. Le directeur est venu, le fameux qui m'avait fait passer, oublier mes problèmes. C'était Maurice Lehmann. Mmh. Et il est venu après le spectacle et il m'a dit, vous savez, Exode, je trouve ça formidable, vous allez le danser, on va le monter à l'opéra. Oh, je lui ai dit, comment c'est possible? Et il m'a fait faire une générale sur scène, et il a convoqué Lander, maître de ballet, Aveline et Liffard. Et Liffard n'est pas venu. Et Liffard a dit, il n'est pas question, comment Lacote me fait venir comme un domestique, et il a interdit. Alors déjà, il y avait ça. Et après, on a refusé que je fasse ce ballet au Théâtre des Champs-Élysées. Alors j'ai été voir le directeur, j'ai dit... Il m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais je ne peux pas aller contre l'IFAR. S'il n'y a pas la signature de l'IFAR, vous ne pouvez pas donner l'autorisation. J'ai dit, eh bien, je pars. Mais vous êtes fou, vous n'allez pas partir. Vous êtes premier danseur et je vais vous monter étoile en même temps que Claude Bessy. J'ai dit, mais moi, je veux faire ce ballet. Alors, j'ai envoyé l'émission. Il n'a plus parlé pendant 6 mois. Il ne me disait même pas bonjour, le directeur, parce qu'il a la tête comme ça. Et un jour, il m'appelle. Et il me dit, écoutez... J'ai des problèmes avec vous. Je ne peux pas vous laisser partir. Vous êtes jeune, vous avez du talent, vous êtes un danseur classique, vous devez rester à l'opéra. Alors on va trouver une solution pour votre autorisation. Alors moi j'étais ravi, bien sûr. Mmh. Et puis il est tombé malade, il a été à l'hôpital, un autre directeur est venu, et on a déchiré ma lettre. Donc j'avais pas le droit. Alors j'ai été affiché à l'opéra dans les premiers rôles, et j'avais sur l'affiche les ballets, ça s'appelait les ballets de la Tour Eiffel, mmh. au Théâtre des Champs-Élysées.
Et il y a un avocat avec un huissier qui venait constater que j'étais affiché à l'opéra pour danser les premiers rôles, mais que j'étais pas là, que je dansais au théâtre des Champs-Élysées. Alors c'était terriblement difficile, terriblement dur. Et alors les critiques ont commencé à être très méchants avec moi parce que j'étais comme un enfant gâté. Et ils savaient que j'étais affiché à l'opéra. Et là, ça a mis une atmosphère très, très, très difficile. Alors un soir, mon habilleuse me dit, c'était l'habilleuse de l'opéra qui, quand elle a su que je partais, a dit, je vous suis, je pars avec vous, je veux travailler toujours avec vous. Bon. Et un jour, elle me dit, voilà, Jean Anouilh veut vous parler. Je dis, elle a pas compris, c'est une erreur. Qu'est-ce que Jean Anouilh vient parler à un petit danseur, chorégraphe qui vient de quitter l'opéra, ça n'existe pas. Et puis, elle m'a dit, si. Et la porte s'est ouverte de ma loge et j'ai vu les petites moustaches, les petites lunettes. Naturellement, je connaissais Anouilh de vue. Alors je lui dis, asseyez-vous. Il m'a dit, écoutez, je viens parce que je dois répéter une pièce de théâtre qui est juste à côté dans le théâtre, la Comédie des Champs-Élysées. Et j'avais lu les critiques sur vous, qui étaient très méchantes. Et comme ce soir, j'ai pas répétition, j'ai voulu aller voir le spectacle. Alors je veux vous parler. On n'a pas le droit d'écrire ce qu'on a écrit sur vous. Vous avez beaucoup de talent. Je vous trouve très, très intéressant. Et je vais écrire un article pour dire que c'est injuste et qu'on donne justice à votre talent. Et à votre compagnie. Alors moi, j'ai dit, c'est pas la peine de... J'avais les larmes qui coulaient, j'ai dit, vous pouvez pas savoir l'admiration que j'ai pour vous. Je lis toutes vos pièces de théâtre, je vais voir tout ce qui peut sortir de vous à Paris, toujours, depuis que j'ai 14 ans, et j'ai une grande admiration pour vous. Et il dit, voilà mon téléphone, vous m'appelez quand vous voulez. Et trois jours plus tard, il y avait un grand article dans un journal, Jean Anouilh, pour dire combien et il avait apprécié mon spectacle et que les critiques étaient fous, qu'ils n'étaient pas capables de se rendre compte du talent que j'avais et qu'il fallait que je continue à être chorégraphe absolument et tout. Et Jean Anouilh est devenu un très grand ami. Chaque fois qu'il venait à Paris, il me téléphonait, il me donnait des conseils pour mes lectures, pour ce que je devais regarder, voir, aller comme exposition. C'était comme un papa pour moi. C'était... Pierre, parce que il fallait qu'on finisse quand vous avez cette rencontre, et pour mis cette histoire un peu ronde dans quelques sens, c'est tellement fascinant, ça me fait mal le cœur qu'il fallait finir. Non mais je comprends. On va reparler quand vous allez revenir. Non mais je comprends. Vous m'avez dit de commencer au début, alors voilà le début. Mais non, c'est pas fini encore. Mais juste pour aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment Madame Yegorova est venue vous voir quand elle vous a demandé de prendre en gare le ballet classique? Ah oui, ça c'est fantastique, Madame Yegorova. Je lui ai demandé d'apprendre le répertoire. Elle connaissait tout le répertoire de Marius Petipa. Et j'ai pris des cours, le plus souvent possible, mais au moins trois fois par semaine, de répertoire. Et elle me montrait tout. Tous les rôles de... Par exemple, si c'était Gisèle, elle me montrait le rôle, naturellement, d'Albert Loïs, qu'elle me faisait répéter. Gisèle, la reine des Willis, Bathilde, même la figuration, elle connaissait tout. Et après, elle m'a appris des ballets qu'on n'avait pas du tout au répertoire à cette époque. On n'avait pas le Lac des Cygnes, on n'avait pas la Belle au Bois dormant, Raymonda, Casse-Noisette, elle connaissait tout. Et elle avait une mémoire, elle m'avait adopté complètement. Et quand je suis parti aux États-Unis pour danser au Metropolitan Opera, j'ai dit, moi, je veux prendre des cours avec Martha Graham et des cours de jazz. Elle me dit, toi, des cours de jazz? Mais tu es classique. Et quand je suis revenu, elle m'a dit, écoute, je suis une vieille dame. J'ai travaillé avec toi pendant des années. Je t'ai presque adopté comme si tu étais mon fils. Mais quand je vois qu'on détruit tous les ballets classiques, tu sais maintenant, tu as une mémoire, tu connais tout le répertoire, alors tu me jures que tu vas arrêter toutes les bêtises de jazz et tout ce que tu fais, et que tu vas t'occuper des ballets classiques. Elle m'a dit, jure-moi. Alors j'ai juré, parce que j'aimais beaucoup cette femme, et j'ai tenu parole. Et à partir de ce jour-là, je suis devenu un défenseur de la danse classique. J'ai fait des recherches sur les ballets comme ils étaient avant, et j'ai cherché sur La fille mal gardée, bien sûr, sur des vieux ballets qui étaient avant, et tout d'un coup, je suis arrivé à La Sylphide, ma Sylphide adorée. Et La Sylphide, c'est drôle parce que Lander, quand il est arrivé à l'opéra, il a fait une émission à la télévision sur Auguste Bournonville, qu'on ne connaissait pas du tout à cette époque. Et il m'a fait danser La Sylphide avec sa femme, Tony Lander. Et ça, c'était très drôle parce que j'étais encore très jeune, j'avais 16-17 ans. Et mon père est allé devant la télévision, regardait, ben je suis fatigué et tout. Et il a vu, il a dit à ma mère, mais regarde, il ment. Il est assis dans un fauteuil, il fait rien. C'est la fille qui danse. C'était le début. Et après, quand je me suis levé, que j'ai dansé. Bon.
Donc j'avais dansé la sylphide, mais pour moi c'était pas la sylphide de Taglioni, donc c'était bien, mais je voulais voir l'autre sylphide. Et donc j'ai fait des recherches sur la sylphide, grâce à Egorova, j'ai posé des questions à Egorova, qui avait travaillé avec Christian Jorgensen, qui était le dernier partenaire de Marie Taglioni. Et il expliquait au cours, il donnait des classes, il avait 86 ans, quelque chose comme ça, il donnait des classes à Preobrajenska, à Chichinska, tout le monde, Pavlova, tout le monde a travaillé avec lui, Karsavina bien sûr, et il leur expliquait comment danser Marie Taglioni, comment danser Carlotta Grisi, etc., etc. Et elle m'a expliqué comment danser Taglioni quand j'ai retrouvé les documents. Et ces documents étaient fantastiques, et j'ai décidé qu'il fallait faire un film de ça, parce que je pensais jamais que ça allait intéresser un théâtre. J'ai donné le dossier de tous les documents que j'avais trouvés, et de ce que j'ai dû rajouter, parce qu'il manquait beaucoup de choses. Mais j'avais quand même trouvé des éléments essentiels sur la mise en scène, sur les décors, sur les costumes, les entrées, et beaucoup d'éléments chorégraphiques de dessin que j'avais, et des descriptions de pas. Et j'ai laissé ce dossier à la télévision, et j'ai dit, si dans un an, vous n'avez pas de réponse, j'ai pas de réponse, je le donnerai à Londres. Ils m'ont dit, il est fou celui-là, complètement fou. Et je suis parti. Et au bout d'un an, j'ai reçu un télégramme, venez à Paris, venez nous voir à la télévision. Voilà, on a trouvé l'argent pour monter la sylphide. Alors j'ai fait la sylphide avec Guylaine Tesmarc, que j'avais épousé, qui était, parce qu'entre-temps j'avais une autre compagnie. Et la direction de l'opéra est venue voir le film en projection privée. Ils ont demandé qu'on refasse une autre fois le film pour voir. Et à la fin de la deuxième fois, ils ont dit, Monsieur Lacote, vous revenez à l'opéra, vous auriez jamais dû partir de ce théâtre, et la sylphide aurait jamais dû quitter non plus le théâtre, et vous revenez et vous allez faire la sylphide. Et votre femme, Guylaine Tesmarc, est tellement exceptionnelle qu'elle va venir faire 3 spectacles. Bon, c'est et dommage, voilà. ça me fait mal au cœur, mais il fallait laisser Pierre partir. Moi, je veux lui remercier énormément. J'espère que c'est seulement le commencement de notre grande conversation qu'on va continuer quand Pierre va revenir, parce que l'année suivante, dans le répertoire de Bolshoï, nous allons accueillir son ballet qui s'appelle Marco Spada. Déjà, grâce à Pierre, nous avons La fille de Pharaon, un grand ballet qui a un succès énorme tout autour du monde. À Théâtre Stanislavski à Moscou, on danse ce jour-là la sylphide dont Pierre a parlé juste maintenant. On est très reconnaissant à Madame Yegorova qui avait poussé Pierre Lacote de revenir au monde de l'art classique. Et nous attendons Pierre à Moscou et nous lui félicitons avec ce grand prix qu'il reçoit le Benoît de la danse pour sa vie dans l'art. Merci beaucoup. Merci.